Moi, je voudrais simplement vous demander, est-ce que vous pensez réellement que la teneur en fer que l'on retrouve dans le cube est plus élevée que ce que l'on retrouverait dans le gombo sec, que ce que l'on retrouverait dans le néré ou dans le soumbala, qui est une épice africaine beaucoup plus intéressante sur le plan nutritionnel? Alors, la question a été posée, je préfère m'arrêter là pour l'instant. Je vous encourage encore une fois de plus à aller au-delà de la surface, à aller au-delà de la normale en vous procurant la collection des 10 ouvrages. Procurez-vous également le kit détox Bio by Josica, qui est une combinaison de 33 plantes qui vous aide à nettoyer complètement les émonctoires, à savoir le foie, les reins, d'accord, et la circulation sanguine et ainsi que le tractus gastro-intestinal. Ce serait par exemple un bon point de départ pour débarrasser son organisme des résidus de cube, si jamais vous avez pris la décision d'arrêter. À votre santé. Ne manquez pas de vous le procurer chez nos différents représentants. Excellente journée.